Hello, hello les Crosmonautes! Aujourd'hui, vidéo spéciale puisque nous allons regarder ensemble le Kickstarter de Wakfu saison 4 ainsi que son trailer que je n'ai toujours pas vu. Alors, le Kickstarter est sorti autour des 16h. Dès 16h10, 15, j'ai vu Zaki tweeter que le trailer était complètement fou. Lorsque je suis rentré du travail, il était 19h. J'ai vu la vidéo de Aerosef qui sortait une analyse du trailer. Voilà, donc je suis chaud bouillant pour découvrir ce trailer. Je n'ai toujours rien vu, mais là, voilà, l'impatience est à son comble. Donc avant de regarder le trailer, on va quand même regarder un peu cette page Kickstarter. Donc le Kickstarter a commencé il y a à peu près 5 heures. Et on remarque en fait qu'on a déjà atteint les 330 000 euros d'objectifs engagés. On a à peu près 40 000, 4 000 contributeurs. La campagne durera à peu près 20 jours. Voilà. Donc lorsqu'on descend, hop, ce qui nous intéresse, c'est surtout de voir les objectifs en fait qui ont été demandés par Ankama. Donc les épisodes, enfin la saison 4 était financée si nous avions atteint les 100 000 euros. Ces 100 000 euros ont été atteints en seulement une heure, ce qui est quand même un très très bon début. Donc en moins de 5 heures, on a déjà financé donc un quatrième épisode, puis un cinquième épisode. Et en fait, l'objectif donc c'est de financer la saison entière, qui serait une saison donc sur 13 épisodes. Bon, pour chaque palier de 100 000 euros, ça nous permet de débloquer un nouvel épisode. Et donc, si on atteint les 1 100 000 euros, et bien à ce moment-là, nous aurons la saison complète avec donc 13 épisodes, comme lors de la saison 3. Donc comment se passe un Kickstarter? Donc si vous souhaitez par exemple nous aider Ankama à financer ce projet, vous cliquez sur je soutiens ce projet. À ce moment-là, en fait, vous avez différentes propositions. Soit vous pouvez faire un engagement sans récompense. Donc normalement de base il y a marqué 10 euros, mais sachez que ce n'est pas 10 euros minimum, hein. Vous pouvez financer de 1 euro à on va dire la plus petite contribution avec récompense qui est de 25 euros. Mais vous pouvez contribuer de 1 euro et c'est déjà un geste qui est très important et qui est super cool de votre part. Après, vous avez des contributions avec récompense. À ce moment-là, il y en a plusieurs. Donc, la première est une contribution à 25 euros, la deuxième 45 euros, 75, 99, 149 et la plus haute 249. Donc, bon, on va pas détailler hein, chaque contribution avec récompense. Bon, évidemment, hein, je vais participer au Kickstarter, mais ce que je voulais faire, c'était de vous proposer un petit challenge, c'est-à-dire que j'avais pour idée de financer le Kickstarter en fonction du nombre de vues que ferait la vidéo. C'est-à-dire que je vais vous montrer un graphique avec différents paliers à atteindre, donc il y aura 8 paliers. Si la vidéo fait 1000 vues, je vais financer le projet à hauteur de 10 euros. Si elle fait 2000 vues, la vidéo, cette vidéo-là, je financerai le projet à 20 euros, on multiplie par 2, 4 000 vues 30 euros, 8 000 vues 40 euros, 16 000 vues 50 euros, ainsi de suite. Et bon, je pense pas qu'on atteindra les 100 000 vues, mais si jamais la vidéo fait 100 000 vues, je financerai le projet à hauteur de 100 euros. Voilà. Quoi dire d'autre sur le Kickstarter? Bah, sachez que voilà, toutes les contributions sont importantes. Alors déjà, voilà, l'objectif, c'est d'atteindre les 1 100 000 euros. Mais aussi, il y a un deuxième objectif, c'est le nombre de contributeurs. Puisqu'en fait, quand Ankama aura assez d'argent pour financer le projet, ils vont aller voir donc un distributeur, en tout cas des partenaires pour pouvoir financer le projet. Et forcément, plus il y a de contributeurs, plus il y a de gens intéressés et plus Ankama pourra peser, on va dire, au niveau des négociations et faire valoir en fait l'intérêt de la saison 4 au travers du public. Voilà. Donc on a quelques petits visuels. C'est le visuel de la fin de la saison 3 que nous avons là. Voilà, hop, hop, hop. Donc au niveau des récompenses, on a des skins, voilà, des casquettes, un pack DVD, une map, bon, les figurines, hein, 149 euros. Alors, sachez hein, que ce que vous payez, c'est pas l'équivalent, c'est pas un achat. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous contribuez à valeur de 149 euros, vous attendez pas à recevoir des compensations d'une valeur de 149 euros. C'est pas du tout le but. Le but, c'est voilà, de vous récompenser, mais voilà, ça, ce que vous allez recevoir n'a pas de valeur de 149 euros. Bon, ce que vous faites, c'est un don. Hop, très bien. Bon, écoutez, hein, on va se lancer ce petit trailer. Hein, j'attends depuis maintenant bientôt 5 heures, donc je suis impatient. Voyons ça. Hop, je mets hop, le casque.
Ah, c'est chaud, c'est chaud. En tout cas, c'est beau. Hein. Oh là là. Le royaume Sadida. Wow, c'est un truc de fou. Wow, cette musique. Cette musique de fin du monde, les gars. Oh. Les nouvelles apparences de Flopin et d'Eleli. Kilby qui revient. Wow. Et c'est Hugo. Oh là là, épée de Wakfu, épée de Stasis. De fou. Franchement, je suis sur le cul.